say y'all having a good time out there. Présentation donc finale des Benjamin A. Il est chez lui sur sa piste pour le Canet Jean BMX Club, Thibaut Lagardère. Pour le club de Danguin à présent, et je suis ravi de voir en finale parce qu'il nous a quand même fait une petite frayeur lors de la finale justement de Cavignac il y a 15 jours. Pour le club de Danguin, donc Valentin Gabé. Pour le pauvre MX Club Aquitaine, Théo Navarro. Pour le Stade Bordelais, SPTT BMX, Michael Weiss. Attention, c'est la seule fille de cette finale pour la BMX à l'Académie, Mademoiselle Emma Lesternou. Pour le Stade Bordelais, SPTT BMX, une deuxième fois, Noé Germano. Pour le club de Danguin également, une deuxième fois, Mathéi Joannigon. Et enfin pour le club d'Artigues, Jules Normand. Messieurs, mesdemoiselles, c'est à vous, silence, s'il vous plaît. Ah, les dernières finales de cette matinée, les Benjamins sont lâchés. Et clairement, on va voir en bout de première ligne droite, c'est une catégorie très très disputée. Allez, c'est parti donc. Oh, ça, la série à la montre. 34 donc entre Thibaut Lagardère et Malestarlou donc en deuxième position pour l'instant, la troisième place, rien n'est joué, ça va se jouer entre Théo Navarro et Valentin Gabé. Valentin Gabé, Théo Navarro, ah, Valentin Gabé qui passe à la carrière, oui, qui prend la deuxième position, donc toujours en tête Thibaut Lagardère, Valentin Gabé pour l'instant 2 et la troisième place sur le podium, et les jeux, ça se joue entre Théo Navarro donc pour fond et Malestarlou pour la BMX à l'Académie, et ça tournera l'avantage donc de Théo Navarro que nous retrouverons sur le podium.